Quand on parle de sélection naturelle, on sous-entend une notion de variété, puisque s'il y a un trait de caractère qui a procuré un avantage sélectif, c'est qu'il existait sous plusieurs formes. Et bien dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment une variabilité génétique peut apparaître au sein d'une population. Si on prend par exemple une population ici, donc symbolisée par ces cercles, avec éventuellement l'existence d'une variété pour un caractère donné, si ce caractère donne un avantage reproductif, donc soit par exemple parce que ceux-là sont plus mangés ou bien ils n'arrivent pas à se reproduire, et qu'au contraire les individus montrant une variabilité pour un caractère donné eh bien, se reproduisent plus efficacement, ou au contraire pas efficacement, eh bien, on assistera à un changement de fréquence des différents caractères dans la population. Et si ça continue comme ça, eh bien, un trait de caractère peut devenir dominant au détriment des autres et devenir la nouvelle norme, ou bien les individus présentant ces deux caractères, par exemple, peuvent se trouver suffisamment différents les uns des autres pour arrêter de se reproduire entre eux, arrêter de se mélanger, et on va voir apparition d'une nouvelle espèce. Mais si l'avantage reproductif procuré par ce caractère est négligeable, donc il n'y a pas de pression de sélection, eh bien on peut conserver dans la population les différentes variétés pour ce caractère. Donc par exemple, chez l'humain, on a plusieurs couleurs de cheveux présentes dans la population. Qu'est-ce qui conduit déjà au départ à l'existence de variétés au sein de la population? Qu'est-ce qui fait apparaître une variété pour un caractère donné? Eh bien, on a vu dans la vidéo sur l'ADN qu'il y avait ce qu'on appelle les mutations. Les mutations génétiques, c'est-à-dire dans la séquence d'ADN qui code pour les protéines de l'organisme, eh bien, on peut voir apparaître des mutations, donc du type, par exemple, une cytosine qui est transformée en guanine, ou bien un bloc ici de T qui va être supprimé par délétion, et ainsi modifier, les mutations génétiques modifient la séquence, et donc modifient la protéine qui est codée par cette séquence génétique. Seulement voilà, une mutation, en général, eh bien, soit elle a un effet assez faible, finalement assez négligeable, puisqu'elle ne change pas la protéine, ou soit elle change la protéine suffisamment pour endommager son fonctionnement, et donc endommager l'organisme, conduisant généralement à la mort de l'organisme. On peut faire le parallèle avec, par exemple, le code d'un programme informatique. Si on va s'amuser à modifier le code d'un programme en ajoutant des choses ou en retirant des choses, eh bien, on a de grandes chances qu'il ne fonctionne plus. Si on change au hasard les choses comme les mutations qui apparaissent au hasard, donc on change au hasard des choses dans des lignes de programme, le résultat sera en général plutôt mauvais. Donc les mutations, soit elles ne font rien, ou soit elles font quelque chose de mauvais pour l'organisme. Donc elles génèrent des variations, mais il faut autre chose pour qu'on puisse expliquer la variation observée dans une population. Donc les organismes survivent avec des variations génétiques qui apparaissent comme ça par mutation, et surtout qu'ils aient suffisamment de mutations pour qu'il y ait une différence observable. Eh bien, ce qui permet ça, c'est la reproduction sexuée. La reproduction sexuée s'est apparue il y a 4 millions d'années, et c'est fondamental pour la variabilité génétique. Donc la reproduction sexuée, ça veut dire, ça sous-entend qu'il y a un mâle et une femelle. Il y a des organismes qui ont les deux sexes, donc par exemple les plantes, par exemple, ils peuvent avoir sur les fleurs les organes mâles et femelles, mais ça reste de la reproduction sexuée puisque ça permet toujours un brassage des gènes. Donc qu'est-ce que ça veut dire la reproduction sexuée? C'est-à-dire qu'au lieu d'un simple clonage, qu'un individu se réplique à l'identique, et que si jamais il ne se réplique pas à l'identique, il y a une forme un peu mutée, eh bien il va juste disparaître, ça ne sera pas transmis. La reproduction sexuée, donc ça permet de mettre en commun les gènes portés par deux individus. C'est une mise en commun du patrimoine génétique. Par exemple, si on prend l'exemple de l'être humain, on a des cellules eucaryotes, c'est-à-dire qu'elles ont un noyau, donc on peut voir dans d'autres vidéos la différence entre eucaryotes et prokaryotes, mais non. Nous avons un noyau qui contient des chromosomes, et ces chromosomes sont des paires de chromosomes, c'est-à-dire qu'on a 23 chromosomes qui viennent du père, donc je vais les symboliser en bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et le 23e chromosome, la 23e paire sont les chromosomes sexuels, donc je vais mettre un petit Y, donc ça ce sont 23 chromosomes qui viennent du père, et pour chacun de ces 23 chromosomes, eh bien on a le même, mais qui vient lui de la mère. Donc pour chaque paire, on a un qui vient du père et un qui vient de la mère. Tous les chromosomes sont en double, à part donc le cas des chromosomes sexuels, où eh bien le père transmet soit Y, soit X, et la mère transmet toujours X. Puisque les mâles ont XY et les femelles ont XX, mais ça on le verra plus tard. Donc on a ces 23 paires de chromosomes,
donc la mère jumette X, elle en transmet 23 aussi. Et ça, c'est vrai dans toutes les cellules de l'organisme, toutes les cellules somatiques, donc c'est-à-dire toutes les cellules du corps à part les cellules sexuelles, donc les cellules qu'on dit somatiques, les cellules somatiques, le soma, c'est le corps, donc les cellules somatiques, elles contiennent toutes ces 23 paires de chromosomes. Alors, tous les gènes ne sont pas actifs dans toutes les cellules, hein, des gènes qui sont très spécialisés, par exemple, pour une fonction dans l'œil, eh bien, ne seront pas utilisés dans le foie. Mais les chromosomes qui portent ces gènes sont présents, et toutes les cellules portent la totalité du matériel génétique. Par opposition aux cellules germinales, donc les cellules germinales sont les cellules sexuelles, donc pour les hommes, les spermatozoïdes, et pour les femmes, les ovules, où on verra donc, que ça se passe un petit peu différemment, justement, pour permettre la reproduction sexuée. Et si on prend l'exemple de cette paire de chromosomes ici, donc je fais un agrandissement de ça ici, alors le chromosome, c'est en fait le brin d'ADN qui est tout enroulé en tortillé, hein, on a vu que c'était compacté au maximum. Et pareil, venant du père, j'ai le même chromosome qui porte les mêmes gènes. Donc ces chromosomes-là, on les appelle les chromosomes homologues. Chromosome homologue, ça veut dire que c'est le même chromosome qui porte la même liste de gènes et qui sont hérités donc de chacun des parents. Donc par exemple, si je m'intéresse au caractère type de cheveux, donc est-ce que j'ai les cheveux raides ou bouclés? Donc par exemple, je peux imaginer que le gène se trouve ici, sur ce chromosome, et donc il va se trouver au même endroit sur le chromosome du père. Eh bien ce gène, il peut exister sous plusieurs formes, qu'on appelle les allèles. On avait déjà mentionné ça dans la vidéo sur l'ADN, c'est-à-dire que un allèle, c'est un variant pour un gène. Donc par exemple, le père peut avoir transmis l'allèle allèle cheveux raides, allèle raide, et la mère, elle peut avoir transmis l'allèle cheveux bouclés. Donc ici, ce serait l'allèle bouclée. Donc c'est très simplifié, hein. Il y a sûrement plusieurs gènes qui participent à la nature des cheveux, mais si on veut simplifier et schématiser, on peut imaginer que donc chacun des parents porte une copie de ce gène, et ils n'ont pas forcément la même version, ils peuvent avoir donc des allèles différents. Donc là, je vais introduire encore un peu de vocabulaire. Le résultat donc de ces allèles, c'est ce qu'on appelle le génotype. Le génotype, c'est le mot qui décrit donc quelle combinaison d'allèles on possède pour un gène donné. Et le résultat de cette combinaison, donc l'expression de ce génotype, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Le phénotype, c'est ce qui est le résultat du génotype. Mais alors attention, plusieurs génotypes peuvent donner le même phénotype. Par exemple, si on reste dans l'exemple de la nature des cheveux, on peut avoir raide, un peu bouclé, très bouclé, et donc avoir plusieurs génotypes possibles. Et l'association de deux allèles différents peut finalement aboutir au même phénotype. Quelqu'un qui aura deux allèles un peu bouclés aura peut-être les cheveux autant bouclés que quelqu'un qui a un allèle très bouclé et un allèle raide. Donc c'est ça qui est important comme différence, c'est que le génotype, c'est quels sont les allèles présents. Et le phénotype, c'est quel est le résultat final et observable de l'expression de ces deux allèles. Et donc, bon, ici, on a pris l'exemple du type de cheveux, mais si on imagine quelque chose de plus important à la survie de l'organisme, avoir deux copies, comme ça, du même gène, eh bien, ça permet d'avoir des allèles mutés, d'avoir des variations qui apparaissent dans la séquence par mutation, mais sans endommager suffisamment l'organisme, grâce à l'autre copie qui compense éventuellement, donc par compensation, conserver une version mutée, donc conserver un allèle différent pour ce gène. Donc ça, c'est la première façon dont la reproduction sexuée permet l'existence d'une variabilité, c'est-à-dire que grâce à l'existence de deux copies, permet l'existence et la transmission des mutations, puisqu'elles n'aboutiront plus à la mort de l'organisme, la mort immédiate de l'organisme, elles pourront être conservées, elles resteront là, elles s'accumuleront, elles seront transmises à la descendance, et éventuellement, un gène accumulera suffisamment de mutations pour que ça fasse une différence et que ça finisse par procurer un avantage sélectif. Ou bien, alors attention, parce que là, ça peut éventuellement être vu de manière beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que là, on a imaginé un seul gène, mais même pour la nature des cheveux, il faut beaucoup plus qu'un gène. Il y a des gènes qui vont déterminer si les cheveux sont fins ou épais, s'ils sont brillants. Pour chaque phénotype, c'est en fait une combinaison de plein de gènes. Et donc, parce que les mutations vont s'être accumulées dans plusieurs gènes sans être éliminées,
pour permettre au final que cette combinaison de gènes donne un phénotype sensiblement différent de celui du reste de la population et soit du coup sujet à la sélection naturelle. J'insiste énormément sur ce point, hein, mais c'est pour bien dire que c'est grâce à cette mise en commun du matériel génétique lors de la reproduction sexuée qu'un mécanisme tel que la mutation peut finalement avoir lieu sans être trop dommageable et permettre de faire apparaître donc des variations, des allèles dans le génome. Et l'autre façon dont la reproduction sexuée permet encore plus de variété, c'est que lorsqu'un individu va se reproduire, donc je vais faire un petit peu de place, mais lorsqu'un individu va se reproduire, dans ses cellules germinales, justement, on reviendra dans d'autres vidéos sur la méiose, mais dans ses cellules germinales, il va devoir donc transmettre 23 chromosomes, 23 chromosomes et non plus paires de chromosomes, 23 chromosomes qui seront mélangés avec les 23 chromosomes transmis par son partenaire. Et ces chromosomes sont sélectionnés aléatoirement. C'est-à-dire que ça ne va pas être par l'eau où les 23 chromosomes initialement du père vont être transmis d'un côté et les 23 chromosomes qui venaient de la mère vont être transmis de l'autre. Non, c'est en faisant des combinaisons complètement nouvelles, où par exemple on prend un chromosome sur deux du père, la mère, le père, la mère, ou les 10 premiers du père et ensuite tout le reste de la mère, ou enfin toutes les possibilités existent. Ça c'est de la combinatoire mathématique. En fait, combien il y a de possibilités de choisir 23 chromosomes parmi ces 23 paires, eh bien c'est 2 puissance 23. Donc il y a 2 puissance 23 combinaisons différentes pour ces 23 paires de chromosomes. Et donc ça, c'est un des parents qui va se reproduire avec un autre individu qui lui aussi vient avec ses 2 puissance 23 possibilités de combinaisons de chromosomes. Et ça, ça va donner 2 puissance 46 combinaisons possibles. Donc chaque couple est capable de générer 2 puissance 46 association de paires de chromosomes différentes. Et ça, pour donner une idée du nombre que ça représente, eh bien c'est 12 000 fois la population totale de la planète aujourd'hui. Et en plus de ces 2 puissance 23 possibilités, à cause d'un phénomène qui a lieu pendant la méiose, et on reviendra dessus en détail, hein, mais je voudrais le mentionner quand même ici parce que c'est important, eh bien lors de ce partage ici, de la répartition des 23 paires de chromosomes lors de la méiose, il peut y avoir des recombinaisons. C'est-à-dire que ces deux chromosomes homologues, ils sont tellement similaires que éventuellement ils vont un petit peu s'en mêler et ils vont s'échanger des morceaux. Donc par exemple, ici, ces deux morceaux-là peuvent s'échanger entre le chromosome d'origine maternelle et le chromosome d'origine paternelle. Et lorsque la paire va se séparer, eh bien on a deux chromosomes complètement inédits. On a un chromosome qui va être le début de celui de la mère avec le petit morceau qui avait été échangé avec le chromosome du père. Et un autre chromosome qui va être composé du début du chromosome du père avec le petit morceau échangé avec le chromosome d'origine maternelle. Et donc chacun de ces chromosomes est maintenant complètement inédit. Donc ça donne encore plus de possibilités de génotype à transmettre en faisant des mélanges entre les chromosomes. Donc voilà, dans un contexte où les mutations génétiques existaient, eh bien l'apparition de la reproduction sexuée a permis l'accumulation et la transmission de ces mutations, et leur mélange, leur brassage, ce qui a été quelque chose d'optimal pour la variabilité génétique, et donc des avantages dans la sélection naturelle. Donc voilà, si tu veux plus de détails sur les événements cellulaires et moléculaires qui ont lieu pendant la méiose, eh bien je t'invite à regarder la vidéo sur la méiose. Cette vidéo, c'était vraiment, dans un contexte d'évolution et de sélection naturelle, montrer l'importance déterminante qu'avait eu la reproduction sexuée.